Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Yves Martineau. Je vous remercie énormément d'être ici à notre atelier sur l'amour et l'immigration. Je suis consultant réglementé en immigration. On va voir aujourd'hui les processus de parrainage des époux ou conjoints qui sont à l'étranger ou qui sont ici au Canada avec un permis temporaire. Avant tout, j'aimerais qu'on voit qu'est-ce qui est l'essence d'une demande de parrainage. Que regarde l'agent d'immigration? Que regarde le représentant du ministère de l'Immigration, de citoyenneté de Canada? En fait, le ministère de l'Immigration se base sur la définition d'une relation selon une décision de la Cour suprême qui remonte à 1999. Ce qu'on veut, en l'essence, c'est s'assurer que la relation est authentique. Comment est-ce qu'on voit ça? On le voit par la permanence de la relation. Si vous êtes un couple qui s'est connu à Las Vegas autour d'une beuverie la veille, ça risque de ne pas passer si vous faites la demande d'immigration le lendemain. Donc, il faut qu'il y ait une certaine continuité dans la relation, une certaine permanence. Il faut qu'il y ait une interdépendance aussi. Donc, ce qu'on entend ici par interdépendance, c'est émotionnel, surtout. S'il y a une interdépendance économique également, ça peut aider, mais ce n'est pas obligatoire. Et il faut qu'il y ait une interdépendance en termes aussi de projet de vie commun. C'est-à-dire que si, par exemple, on a vécu ensemble et puis qu'on est chum blonde, si on est petit ami, eh bien, il faut qu'il y ait quand même un engagement l'un à l'autre. Parce que sinon, on pourrait être tout simplement des colocataires. Et c'est ce dont veut s'assurer l'agence d'immigration, qu'il y ait vraiment un lien, d'interdépendance entre les deux. Il faut aussi qu'il y ait un partage des responsabilités. Responsabilités ménagères, connexes, ça peut aller très loin. C'est pas juste les deux ont fait le ménage, les deux ont fait la vaisselle. On peut être sous la figure, disons, traditionnelle du couple aussi. Lui ou elle travaille, lui ou elle reste à la maison. C'est pas grave. Mais la façon de définir le partage des responsabilités pour un ménage, ça dépend de chaque couple. Mais il faut vraiment qu'on voit bien que les deux, ensemble, travaillent pour le couple, pour la famille que vous formez. Si vous avez des enfants ensemble ou si vous avez des enfants d'une autre relation, mais dont vous prenez soin ensemble, eh bien, le soin mutuel que vous apportez aux enfants aussi est pris très, très fortement en considération. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez tout le temps, vous pouvez pratiquer en attendant. C'est un élément, mais puisque souvent on a des gens qui disent « mais on n'a pas d'enfants, est-ce que ça va être plus difficile de démontrer notre relation? » Pas du tout, il y a beaucoup d'autres éléments pour démontrer la relation. Un autre aspect très, très fort, la perception sociale du couple. C'est-à-dire que si moi, Yves, par exemple, d'ailleurs, une petite parenthèse, moi-même, j'ai parrainé mon épouse qui est mexicaine, et c'est pour ça que ce processus-là, c'est vraiment mon préféré. Dans notre bureau, on fait beaucoup de processus d'immigration, mais celui-là, c'est mon petit dada, parce que je le relie beaucoup à mon expérience personnelle. Donc, si par exemple, moi, Yves, mon épouse s'appelle Diana, si Diana, elle n'est pas là, ben, mes amis proches, ma famille, ils savent que j'ai une épouse qui s'appelle Diana, même quand elle n'est pas là. Puis quand on se présente ensemble dans un événement, bien, je la présente comme voici Diana, mon épouse. Parce que si je cache ma relation, bien, là, l'officier d'immigration pourrait avoir des doutes à savoir est-ce que c'est une relation stable ou est-ce que c'est ma maîtresse, est-ce que c'est une aventure de passage, est-ce que c'est une amie. Donc, on peut s'assurer que la relation est authentique et la perception sociale est très, très, très importante. Donc, concrètement, quand on pense à la demande d'immigration comme telle, parmi la liste de documents qu'il faut présenter, on présente de façon plutôt vague dans les formulaires du gouvernement, pas vague, mais générale. Générale, pas vague. Des preuves, par exemple, des photos. Donc, quand on choisit les photos, il est très important de choisir des photos où les membres de vos familles et vos amis proches apparaissent. Si votre douce moitié est à l'étranger, peut-être qu'il est difficile pour cette personne-là de venir ici si elle est d'une nationalité qui a besoin d'un visa pour venir, ou peut-être que vous-même, à cause du travail ou d'obligation, vous n'avez pas la possibilité de voyager dans le pays de nationalité de votre douce moitié comme vous voudriez. Mais dans la mesure du possible, il est bon que dans la demande d'immigration,
on voit bien la reconnaissance sociale de la relation. Dire, par exemple, oui, j'ai communiqué avec la mère de ma conjointe, de mon conjoint, je l'aime bien, elle cuisine bien, ou elle est gentille, ou elle m'énerve un peu, mais je l'aime quand même parce que c'est la famille. Donc, il est bon de faire une mention des gens proches de sa douce moitié pour bien montrer, on n'est pas seulement deux. Il y a tout ce qui vient avec une relation, toute la famille autour, les amis autour. Si vous allez à des fêtes, à des soirées, puis là, vous êtes tous avec les amis comme ça, qui se tiennent par l'épaule comme ça, c'est des bonnes photos à choisir parce que ça montre vraiment la perception sociale du couple. On donne aussi souvent comme conseil, faites une impression d'écran de votre page Facebook, si vous en avez une. Parce que souvent, vos amis, vos proches vont faire un commentaire de vos photos. Ils vont dire « Ah, vous êtes beaux ensemble, on est contents, j'espère que tout va bien aller » ou quoi que ce soit. Donc, le fait que les amis de Facebook écrivent des commentaires sur vos photos, c'est un élément qui est pertinent à ajouter à votre demande d'immigration. Et l'engagement mutuel sérieux. La réglementation est très, très claire. Si on est encore en train de se dire « Bon, on est ensemble, on n'est pas trop sûr, on va se donner du temps encore pour y penser. » C'est très valide dans l'évolution d'une relation, être à cette étape-là. Mais pour une demande d'immigration, ce n'est pas suffisant. On va y penser, on est en train de voir, ne fonctionne pas pour une demande d'engagement. Il faut vraiment montrer que c'est un engagement mutuel sérieux. Peu importe qu'on soit marié ou pas, le certificat de mariage est un élément de preuve si on est marié. Mais qu'on soit marié ou qu'on soit conjoint de fait, l'exigence est la même. Il faut vraiment montrer qu'on a un engagement mutuel qui est sérieux. Si on retourne à l'élément concret de la demande d'immigration, on peut penser par exemple à une assurance vie, où est-ce que vous êtes mutuellement bénéficiaire, un compte bancaire ensemble, des dépenses communes. Vous contribuez, s'il y a un enfant, par exemple, vous contribuez dans la mesure du possible, soit que ce soit financièrement ou en termes de soins, en termes de temps d'attention aux enfants, par exemple, si c'est le cas. Donc, il faut vraiment montrer là que vous n'êtes pas juste encore chum blonde, on se connaît, on va voir, je ne suis pas trop sûr, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Non, il faut vraiment être plongé dans la relation parce qu'il faut vraiment montrer un engagement fort par rapport à sa douce moitié. L'essence légale de ça, c'est que le gouvernement veut s'assurer que l'article 4 des règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada est respecté. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d'une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas, visait principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la loi et ou n'est pas authentique. C'est-à-dire que, concrètement, on veut s'arranger qu'il n'y ait pas de mariage blanc, de mariage de convenance. On veut vraiment là que, bon, c'est vrai, si je me mariais, ça serait plus facile d'avoir la résidence permanente. Je t'aime bien, on s'entend bien, mais c'est plus loin que ça, non. Mais moi, ce que je veux, c'est la résidence permanente. On voit même des cas de personnes, écoute, je vais te donner 5, 10, 20 000 $, marie-toi avec moi, après ça, je vais avoir ma résidence permanente, puis on se divorcera après, chacun de son bord, tout va bien. Le gouvernement veut éviter ça à tout prix. Et c'est pour ça, donc, qu'il faut démontrer à la positive tous les aspects de la profondeur de la relation qu'on a. Donc, c'est ça, on veut éviter le mariage avec un passeport. On veut vraiment... En fait, le but du programme d'immigration n'est pas tant d'obtenir une résidence permanente, c'est-à-dire que c'est une conséquence, la résidence permanente. Mais le but premier est la réunification familiale, donc la réunification de deux personnes. Et ça donne que ça va se faire dans un contexte de résidence permanente au Canada. Mais il faut vraiment mettre l'emphase sur la réunification de deux personnes qui s'aiment. Quelles sont les conditions pour... Là, ici, j'ai écrit la conjointe, l'époux, l'épouse. J'aime bien le terme « douce moitié » qui englobe tous. Si vous m'entendez utiliser un terme seulement masculin ou féminin, prenez pour acquis que j'inclus tout le monde. Donc, la condition pour la personne parrainée est qu'elle ait au moins 16 ans et qu'elle soit libre. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, un mariage qui a eu lieu, même si ça fait longtemps, si on s'est marié, disons que j'ai ma conjointe à l'étranger et puis elle s'est mariée il y a 10 ans.
Ça fait 6 ans qu'elle est séparée, elle ne voit plus du tout cette personne-là, mais ils ne sont pas légalement divorcés. Il faut absolument qu'ils soient légalement divorcés ou qu'il y ait un quelconque document d'un tribunal qui indique que la relation est bel et bien terminée, même s'ils ne vivent plus ensemble depuis le temps que ce soit. Il faut vraiment qu'il y ait une relation exclusive, même au niveau légal. Et le critère pour le répondant, donc le terme légal utilisé par le ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada est le répondant ou le sponsor en anglais. Et au niveau du Québec, on va voir dans un instant, le terme est utilisé le garant. Mais je vais toujours utiliser le terme le répondant au cours de la présentation. Donc, premier critère, il faut avoir 18 ans et plus. 18 ans ou plus. Il faut être citoyen ou résident permanent. Si on est résident permanent, il faut absolument résider au Canada pour pouvoir parrainer. Donc, on ne peut pas aller vivre à l'étranger avec sa douce moitié et faire le parrainage si on est résident permanent. Là, bon, vous êtes ici, donc ça ne s'applique pas au moins pour aujourd'hui. Peut-être que demain, vous avez un projet de voyage. Mais si vous voulez parrainer depuis l'étranger, vous devez être citoyen ou citoyenne. Et si un citoyen fait une demande de parrainage depuis l'étranger, la personne doit inclure aussi une démonstration que la personne va rentrer au Canada pour s'y établir dès que sa douce moitié va obtenir la résidence permanente. Mais comme résident permanent, il faut absolument résider au Canada. Cela n'empêche pas d'aller visiter sa douce moitié. C'est comme si je vais, par exemple, une semaine à Cancun, je ne vais pas résider à Cancun, j'y vais temporairement. Donc, une question qu'on pourrait avoir, c'est combien de temps je peux rester à l'étranger sans qu'on considère que je vis à l'étranger? Est-ce qu'il y a une période de temps définie? Pas vraiment. Pas vraiment. Ce qu'on recommande, c'est idéalement pas plus de 6 mois par année, mais que dans tous les cas, vous mainteniez des attaches avec le Québec. Des attaches, c'est par exemple une maison, un appartement, loué ou acheté, un emploi que vous avez. Donc, si vous allez vous absenter longtemps, il est bon, par exemple, d'avoir un congé sabbatique de votre employeur. Ça aide beaucoup. Si vous avez des engagements, si vous avez, par exemple, un projet d'études, vous avez commencé, je ne sais pas moi, un DESS, une maîtrise, un diplôme quelconque, vous êtes à la moitié de votre diplôme et vous dites « oui, j'ai l'intention de rentrer ». Donc, ce sont des attaches qu'on a. Si vous avez des obligations familiales aussi, ce sont des attaches qu'on doit démontrer. Mais on recommande de s'absenter aussi peu que possible, même si la loi ne définit pas bien le temps pendant lequel on peut être à l'étranger. Il faut aussi signer un engagement. C'est un engagement, donc, d'une période de 3 ans que doit signer le répondant avec le gouvernement du Québec. Donc, on s'engage comme répondant pendant 3 ans à subvenir aux besoins de sa douce moitié. Qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est que si ma douce moitié cesse d'être ma douce moitié, après 1 an, 2 ans, ça ne marche plus, et elle demande, par exemple, elle fait une demande de bien-être social, elle demande de l'aide de dernier recours auprès du gouvernement du Québec, eh bien, moi, comme répondant, je devrais rembourser au gouvernement du Québec toute somme versée par le gouvernement à ma douce moitié. Peu importe qu'on soit ou qu'on ne soit pas ensemble, peu importe comment va la relation, c'est un engagement avec le gouvernement du Québec qu'on prend pour 3 ans. Maintenant, des conditions aussi. Il ne faut pas être bénéficiaire de l'aide sociale, en fait, de l'aide de dernier recours au moment de faire la demande. Il ne faut pas avoir été accusé de crimes violents ni sexuels et on ne peut pas être en prison ou dans un pénitencier. Si vous avez eu dans le passé un passé criminel pour crimes violents ou sexuels et que vous êtes réhabilité, vous avez fait une demande de pardon, alors là, vous pouvez être éligible pour être répondant. Il ne faut pas avoir de dette au gouvernement sous la loi de l'immigration. Ça, c'est des cas un peu exceptionnels, mais par exemple, si dans le passé, j'ai parrainé quelqu'un et le gouvernement donc a donné de l'aide sociale à ma douce moitié d'alors et je n'ai pas remboursé encore au gouvernement, il me sera impossible de refaire une autre demande de parrainage. Et puis aussi, la même chose, la relation doit être exclusive. Donc, si j'ai encore un divorce qui est en attente, qui n'est pas trop fini, on n'est pas éligible. Aussi, par rapport aux personnes qui, dans le passé,
ont été en relation conjointe fait ou mariée avec une autre personne, lorsqu'on fait la rédaction de la narration, puis on va voir ça un peu plus dans de détail dans un instant, on conseille à nos clients de ne pas trop mettre de détails sur l'ex, même si on ne peut pas l'avoir en peinture. Parce que si on parle trop de l'ex, même pour parler des problèmes, pension, quoi que ce soit, ce n'est pas bon. Faut vraiment le mentionner seulement si c'est pertinent par rapport à la relation qu'on a maintenant. Mais si on parle même en mal d'un ex ou d'une ex, ça aide pas à convaincre le gouvernement que notre relation actuelle est exclusive. On n'aide pas à démontrer que notre passé est vraiment passé. Maintenant, pour parrainer sa douce moitié, il n'y a pas d'évaluation financière. Si vous êtes aux études, par exemple, si vous gagnez peu d'argent encore, c'est pas grave. La seule condition est de ne pas être bénéficiaire de l'aide de dernier recours et de ne pas être en dette avec le gouvernement, comme on a vu plus tôt. Mais sinon, peu importe combien vous gagnez, vous pouvez parrainer, il n'y a pas d'évaluation financière. Maintenant, toujours pour revenir au terme de l'authenticité, il y a des conditions qui sont très récentes, certaines sont depuis octobre 2012. Là, je sais que ça touche personne ici, mais je veux quand même le mentionner. Si on a soi-même été parrainé, dans les 5 dernières années, on ne peut pas parrainer une autre personne. Qu'est-ce qu'on veut éviter ici? Le gouvernement connaît tous les trucs. Donc, qu'est-ce qui se faisait avant? Par exemple, quelle nationalité je pourrais m'inventer? Disons, je suis mexicain. Donc, je suis mexicain, et puis, disons, on se retourne 10 ans en arrière. Je suis mexicain, j'ai mon épouse Diana. Là, je lui dis, écoute, j'aimerais ça qu'on aille au Canada. Mais l'immigration, c'est difficile, puis je ne sais pas trop comment je pourrais me qualifier. Regarde, on va se divorcer. Je vais me marier avec une petite Québécoise, là. Elle va me parrainer. Une fois que je vais être parrainé, je vais me divorcer, je vais me remarier avec toi, puis je vais te faire venir au Canada de la même façon. Ça se faisait avant. Ça ne peut plus se faire avec cette exigence-là. Ou si on veut le faire, il faut attendre au moins 5 ans pour reparrainer son premier amour. Et puis aussi, la relation doit perdurer au moins 2 ans après l'obtention de la résidence permanente. Encore là, dans le même ordre d'esprit. Je regarde sur Internet, oui, ben écoute, je peux bien me marier avec toi, 10 000 $ puis tu as la résidence permanente, on n'en parle plus. Attention, il faut que la relation perdure pendant au moins 2 ans. S'il y a un divorce ou une séparation 2 ans après l'obtention de la résidence permanente, eh bien, la résidence permanente peut être perdue par la personne qui a été parrainée. Il y a des exceptions à ça. S'il y a un cas de violence conjugale, d'abus psychologique, physique, la loi permet de se séparer de la relation sans perdre la résidence permanente. Mais dans l'essence, il faut vraiment démontrer que la relation est authentique. Il y a, disons, certains cas spéciaux que j'aimerais survoler. Puis après, j'aimerais voir avec vous l'essence de la demande d'immigration. Qu'est-ce qui est bon d'inclure? Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a aucune façon de garantir une acceptation de la part du gouvernement. Mais ce qu'on veut toujours, c'est avoir un maximum de chances d'avoir une réponse positive en connaissant bien les critères du gouvernement. Donc, avant d'entrer dans ça, les règlements 117.9D ou 125.1D nous dit qu'on doit déclarer sa relation avant d'avoir obtenu la résidence permanente. Ça touche les personnes qui sont nées hors du Canada et qui ont obtenu la résidence permanente après. Et qui, au moment de faire leur demande de résidence permanente au Canada, n'avaient pas déclaré leur douce moitié. Par exemple, il y a Yves et Diana qui sont mexicains. Et puis là, Yves, il dit, écoute, moi, je parle pas bien français, mais toi, Diana, tu as un très, très bon français, tu es comptable, tu as une profession en demande pour immigrer au Québec. Toi, vas-y, puis une fois que toi, tu auras la résidence permanente, bien, parraine-moi. Parfait, on fait ça. Donc, elle se dit, c'est sûrement la meilleure chose à faire parce que mon époux, lui, il n'a pas une profession en demande. Il a juste étudié journaliste, puis vraiment, il n'y a pas d'avenir pour ça au Québec. Donc,
mais moi, je vais immigrer toute seule comme comptable. Eh bien, le gouvernement va dire, non, 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 vous aviez l'obligation de déclarer votre époux au moment de faire la demande. Si plus tard, après avoir obtenu la résidence permanente, mon épouse, dans ce cas-ci, aurait voulu me parrainer, elle n'aura pas pu le faire. Un autre exemple aussi. Deux personnes sont conjointes de fait, mais la notion de conjoint de fait n'est pas reconnue partout dans le monde. On pense surtout pour les couples homosexuels ou dans des sociétés où est-ce qu'il y a deux états civils, il y a trois états civils possibles, célibataire, marié ou divorcé, ou veuf. Mais la notion de conjoint de fait n'existe pas. Donc, disons, Diana et Yves ont vécu ensemble pendant 3 ans au Mexique, ne se sont jamais mariés. Pour leurs raisons personnelles, ils ne voient pas nécessaire d'avoir le papier du mariage, mais leur relation est authentique. Mais ils se disent, bien écoute, on n'est pas mariés, le Mexique ne reconnaît pas notre statut de conjoint de fait. Donc, sur les formulaires, bien, j'écris que je suis célibataire. Et puis, par simple ignorance de la loi canadienne, parce que sous la définition canadienne, si on vit ensemble maritalement pendant 1 an, eh bien, on est obligé de se déclarer comme conjoint. Et là, si Diana, dans ce contexte-là, avait fait la demande sans m'inclure, eh bien, plus tard, après son arrivée, même si on se marie après, elle ne pourra plus me parrainer. Alors, j'aimerais passer sur l'essence de la demande. Oui, OK. Il y a 2 grands processus pour le parrainage. Il y a le processus au Canada ou hors du Canada. Physiquement, la demande se présente toujours au Canada, mais quand on dit au Canada ou hors Canada, on considère le lieu de résidence de la douce moitié, de la personne parrainée. Donc, si ma douce moitié a un permis temporaire comme visiteur, touriste, étudiante, étudiant ou travailleur, travailleuse, eh bien, à ce moment-là, je ferai une demande de parrainage au Canada. Mais si ma douce moitié est à l'étranger, je vais sticker sur mon exemple du Mexique, ma douce moitié vit au Mexique, elle travaille et tout, alors là, je fais une demande de résidence permanente hors Canada. Les formulaires varient un peu, les questions sur les formulaires varient un peu, mais dans l'essence, c'est vraiment la même chose. L'important, c'est toujours, comme je disais, de démontrer l'authenticité de la relation selon les critères de la Cour suprême. Il y a une grande question dans les formulaires qui est comment est-ce que vous avez connu votre époux, votre conjoint, et à partir de ce moment-là, comment a évolutionné votre relation. Et ça doit être écrit par la personne parrainée. Même si la personne parrainée ne parle pas bien français ou anglais, parce qu'on peut faire la demande en français ou en anglais, mais si elle ne parle pas bien français ou anglais, elle ou il doit quand même rédiger la narration. Et c'est là qu'on veut inclure ces éléments-là. On ne va pas vraiment écrire « notre relation est permanente parce que… » Non, c'est un peu comme si on écrivait un roman d'amour, le sien, quand on écrit la narration comme ça. Comment est-ce qu'on s'est connu? Ah oui, c'est important aussi que ce soit la personne parrainée qui écrive. Si c'est le gars qui est parrainé, il n'écrit pas comme si c'est la fille. Nous, on n'a pas vu autant de demandes d'immigration qu'un officier d'immigration peut en avoir, mais on en a vu quand même assez souvent pour savoir, pour bien noter, pour reconnaître tout de suite quand c'est le gars ou quand c'est la fille qui écrit la narration. Au mariage, par exemple, le gars, il se souvient exactement c'est quoi qu'il y avait au menu. La fille, elle sait c'est quoi la robe de chacune des dames et puis de ses amis. Oh, non. Voilà, ça, c'est même pas pertinent pour la demande. Mais c'est très important que ce soit la personne qui écrive, la personne parrainée qui écrive parce que ça se sent, ça se voit. Et il faut vraiment écrire, il ne faut pas avoir peur de raconter des détails. Parce que c'est vraiment dans les détails qu'on voit l'amour. Et je le dis comme une phrase en l'air comme ça, mais c'est très sérieux. C'est vraiment dans les détails qu'on voit l'amour et l'agent d'immigration le voit avec ces yeux-là aussi. Donc, si on décrit la relation avec trop de généralité, on s'est connu un 22 août 2004, on a voyagé à la plage un 13 août 2006, c'était beau. C'est pas vraiment convaincant. C'est important de raconter les voyages qu'on a fait. C'est vraiment clairement expliqué dans les formulaires. C'est important de mentionner les cadeaux qui sont faits et tout. Mais des petites choses, de rien du tout, comme... J'avais une entrevue
de travail. Ça, qu'on soit à distance ou pas, on peut, par exemple, se communiquer par téléphone, par Skype. Il y a plein d'applications maintenant pour communiquer internationalement sans frais ou avec très, très peu de frais. Je sais pas, j'avais une entrevue de travail vraiment stressante, une réunion ou un examen, quoi que ce soit. J'étais vraiment stressé, mais ma conjointe, mon conjoint m'a vraiment dit des choses pour m'appuyer. Puis ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi. J'aime vraiment ça. Je me sens plus en confiance, plus en sécurité, parce que je sais qu'elle ou il est là pour moi, qu'on soit physiquement ensemble ou pas. Quand je dis qu'il faut donner des détails sur la relation, on ne veut pas savoir les ébats sexuels non plus. Ça peut être... Puis on en a vu, on a même vu des photos et tout. On vous croit que vous êtes ensemble, là, pas besoin. Donc, on veut aller dans les détails intimes, disons, au niveau des émotions, au niveau de sentir vraiment l'évolution de la relation. C'est tout à fait valable de dire, quand je l'ai connu, il était sur moi, il m'appelait, il me fatiguait. Je le trouvais donc fatigant, puis je ne pouvais pas l'endurer. Mais là, après ça, bien, j'ai vu que c'était pas une mauvaise personne vraiment. Là, j'ai appris à le connaître de mieux en mieux, puis vraiment, là, je l'appréciais. Puis là, maintenant, je suis amoureux, amoureuse, puis... Donc, c'est correct d'être sincère. Il n'y a aucune relation qui est parfaite. En fait, je pense qu'une relation parfaite est par définition imparfaite. Un couple doit avoir des mésententes sur des choses. Puis la force d'un couple, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'entendre malgré nos désaccords. Et ça peut être... C'est un élément aussi, en fait, très fort qu'on peut inclure dans la narration de sa relation. Pas besoin de juste écrire là, tout est beau à l'eau de rose et tout. Il faut vraiment avoir une relation qui est authentique et sincère. Et ça peut inclure aussi les éléments qui sont moins le fun. L'élément de perception sociale. Il est bon de parler de la famille. L'enfant, c'est toujours sur le couple, sur les deux. Mais mentionner les visites qu'on a faites avec la famille. On a eu un party de Noël, par exemple. J'ai pu connaître ma belle-mère, mon beau-père. Lors du mariage, il y a des cousins qui ont voyagé de une grande distance pour venir nous voir. J'étais vraiment ravi, j'étais touché par ça. Mentionner la famille, mentionner les amis proches aussi, c'est toujours pertinent, c'est toujours gagnant. Une relation Roméo et Juliette qui est cachée, ça rend un peu plus difficile de démontrer l'authenticité de la relation. Ceci dit, si vous êtes dans une situation où est-ce que c'est difficile de parler ouvertement de votre relation, je pense à une situation d'homosexualité, par exemple, ou une situation sociale où est-ce que, par exemple, moi, j'appartiens à une certaine caste sociale, puis si je suis avec telle autre personne, ça ne va pas vraiment bien se voir dans ma famille. C'est correct aussi, mais s'il y a un contexte comme ça, il faut l'expliquer clairement dans la demande. Voilà, donc quand on rédige la narration, moi je conseille toujours d'inclure des preuves avec la narration. Moi j'aime bien penser à mon histoire de téléroman, c'est-à-dire je raconte, on s'est connus dans un souper chez des amis par exemple. Ça donne qu'une personne a pris une photo avec son iPhone, même si la photo est toute embrouillée avec des mauvaises lumières et tout. Il est pertinent parce que c'est un élément de preuve qu'on vient ajouter à ce bout de narration-là. Ceci dit, on n'a sûrement pas des preuves pour tout. Si on a fait un beau voyage, par exemple, je ne sais pas moi, à Gaspé, puis on n'a pris aucune photo, ou on les a perdues, on les a oubliées, ça ne nous tentait pas de prendre des photos, quoi que ce soit, on n'a pas de preuves, on n'a pas gardé les reçus, c'est pas grave. On ne peut pas avoir les preuves de tout, et il ne faut pas limiter la narration seulement sous prétexte qu'on n'a pas suffisamment de preuves. On a autant de preuves que possible, mais on ne peut jamais avoir des preuves de tout. Mais il ne faut pas s'empêcher de déclarer ou de mentionner des éléments qu'on juge pertinents à la démonstration de la relation selon les éléments qu'il y a ici au tableau. La question d'engagement mutuel sérieux aussi. Ça, c'est plus difficile à démontrer pratiquement. On peut le démontrer avec, comme je disais, les exemples qu'on aime bien voir, une assurance vie où est-ce qu'on est mutuellement, un testament, compte de banque, si vous avez acheté une maison ensemble, si vous avez fait un achat important ensemble, vous avez vécu ensemble et puis lui a acheté le frigo, elle a acheté le four, par exemple, que sais-je. Donc, ce sont des éléments qui sont pertinents. Mais ce n'est pas toujours évident à démontrer. Ce qu'on veut aussi, c'est une démonstration dans l'intention. Dire des choses comme
Vraiment, j'ai hâte qu'on puisse être ensemble, stable en termes d'immigration, que je puisse être avec mon conjoint, ma conjointe au Canada pour qu'on puisse faire notre vie ensemble. On a des projets. Donc, mentionner les projets qu'on a, c'est pertinent. Si on en a, si on n'en a pas, il ne faut pas en inventer. Il faut toujours être authentique. Mais avoir des projets, je ne sais pas, on va avoir des enfants, on va acheter une maison, on veut avoir un commerce ensemble. Ou être ensemble, en soi, ça peut être un projet également. Mais si on a des projets, c'est bon, c'est très, très bon de les inclure dans la narration. Une chose aussi, c'est pas évident de se souvenir des dates, surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble. C'est pas grave. C'est pas grave si, par exemple, votre première soirée ensemble, c'était il y a 6 ans. Bon, je me souviens, c'était un vendredi, mais là, c'était pendant l'été, mais je me souviens pas. C'est pas grave. Faut pas s'en faire avec les détails dont on se souvient pas, surtout quand ça fait longtemps. Quand c'est récent, là, ça pourrait soulever plus de questions de la part de l'agent d'immigration, mais il ne faut pas s'en faire si on ne se souvient pas de tous les détails. Des exemples de preuves de la relation, parmi les plus communs, j'ai mentionné le screenshot, l'impression d'écran de Facebook, mais ça, c'est une chose, c'est seulement récent. Le plus classique à démontrer, ce sont par exemple les courriels. Donc, les courriels qu'on s'est échangés. Il ne faut pas inclure tout le contenu de chaque courriel, mais un truc, c'est de rassembler tous les courriels que vous êtes échangés dans un seul dossier, dans votre boîte de courriel, et les marquer comme non lus. De cette façon-là, on peut voir le nombre de courriels que vous êtes échangés. Et il est bon d'avoir une impression d'écran de quelques lignes de ces courriels-là, parce qu'on voit souvent le titre du courriel et la date du courriel en question. La même chose pour le Messenger ou le Skype. Là, je parle surtout pour les relations, quand vous êtes en relation à distance. Le Skype, le Messenger, votre reçu de téléphone, si vous envoyez des messages textes avec un iPhone ou un Samsung ou BlackBerry, vous pouvez prendre une impression d'écran des messages. Et c'est bon de les avoir, non pas pour entrer dans le détail de ce que vous dites, si vous ne voulez pas entrer dans tous les détails de vos échanges, mais pour montrer la continuité. Si, par exemple, on a des courriels depuis 2008, si on a des messages textes sur le cellulaire depuis 2010, si j'ai une facture de téléphone depuis 2009, bien, ça montre qu'on se connaît depuis quand même un certain temps. Pour les personnes qui sont ensemble ici, bien là, l'élément donc de vivre ensemble, de contribution au ménage, peut être un peu plus facile à démontrer. Quand on pense, par exemple, à l'aide pour les tâches ménagères, pour tout l'appui là, qu'on peut avoir comme couple. Aussi les voyages que vous faites ensemble. Donc, si vous avez fait des voyages, conservez les preuves de billets d'avion, les imprimer pour les inclure dans votre demande, c'est aussi un très bon élément. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir une déclaration signée d'une tierce personne, par exemple, un ami proche, un membre de la famille proche, par rapport à notre relation? Oui, c'est pertinent. Surtout si on manque d'autres preuves. Cette déclaration devrait être en original. L'idéal, c'est de la signer devant un commissaire à la sermentation ou un notaire, avec vraiment une déclaration solennelle de la tierce personne. Maintenant, quand on est dans une relation de couple, si par exemple, je suis Yves, mexicain, j'ai besoin d'un visa pour venir au Canada, mon épouse Yana, elle est citoyenne canadienne. Si je dis que je viens la visiter, l'agence d'immigration pourra avoir des doutes quant à mon intention de rentrer au Mexique parce que j'ai une attache très forte avec le Canada à travers ma conjointe. Donc, il y a des hautes chances que mon visa de visiteur soit refusé. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas déclarer dans ma demande de visa de visiteur que j'ai ma conjointe. Parce que plus tard, si je fais la demande de parrainage, et puis dans toutes les fois où j'ai fait une demande de visa, je n'ai pas inclus que j'avais ma conjointe, mais là, dans ma demande de parrainage, si ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a le grand amour,
Là, l'agence d'immigration va regarder dans son système, va dire, bon, écoute, là, j'ai 3-4 demandes de visa de visiteurs, tu n'as jamais mentionné ta conjointe, puis là, oups, dans la demande de résident permanent, là, tu mentionnes que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça pourrait causer un refus. Maintenant, il y a un concept dans la loi de l'immigration qui s'appelle la double intention. C'est concrètement l'article 22.2 de la loi de l'immigration. La double intention nous dit que l'intention de devenir résident permanent au Canada n'empêche pas d'avoir un visa temporaire tant et aussi longtemps qu'on convainc l'agent d'immigration qu'on rentrera dans son pays ou qu'on quittera le Canada à la fin du séjour. Donc, si par exemple, j'ai ma douce moitié à l'étranger qui vient me visiter, je dois mentionner qu'elle vient me visiter moi, mais pour convaincre l'agent d'immigration, j'ai tout intérêt à démontrer que j'ai des attaches dans mon pays, que j'ai un travail, que j'ai une maison, quoi que ce soit. Un grand conseil qu'on donne, c'est faites la demande de réunification familiale. Et lorsque vous aurez une première approbation du bureau de Mississauga ou de Vigreville, je vais expliquer ce que je viens de dire là. Mais lorsque j'ai une approbation préliminaire, alors là, c'est plus facile de démontrer que j'ai un processus d'immigration qui est en bonne et due forme, qui est commencé. Et là, je peux demander une résidence temporaire en invoquant la double intention. Si on regarde les étapes du processus d'immigration, donc je me suis égaré un petit peu, il y a le processus au Canada et hors Canada. Si on fait une demande hors Canada, on envoie la première demande d'approbation du répondant et de résidence permanente en même temps au bureau des visas de Mississauga en Ontario. Si ma douce moitié est ici au Canada, donc c'est une demande au Canada, j'envoie à Vegreville en Alberta. Mais c'est toujours le même principe. Une demande de parrainage comprend trois étapes. Une première étape où est-ce que le garant ou le répondant doit être accepté. Donc, pour que le garant ou le répondant soit accepté, il doit démontrer qu'il répond à ses exigences ici. Pour un processus fait hors du Canada, la première réponse qui vient de Mississauga pour le premier processus prend environ 30 jours, 30 ou 50 jours. Donc, une fois que j'ai la première réponse de Mississauga, il est plus facile, jamais facile, mais plus facile de faire une demande de visa de visiteur pour ma douce moitié à l'étranger. Une fois que Mississauga m'a accepté ou une fois que Vegreville m'a accepté comme parrain, comme répondant, donc à la première étape, ensuite je dois faire une demande de certificat de sélection du Québec. En fait, ma douce moitié doit faire une demande de certificat de sélection du Québec. Le gouvernement du Québec, donc le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, va émettre un certificat de sélection du Québec si je signe un engagement financier dans lequel je m'engage à appuyer financièrement ma douce moitié pendant 3 ans. Une fois que j'ai mon certificat de sélection du Québec, avec mon approbation soit de Mississauga ou soit de Vegreville, donc j'ai été accepté comme répondant, alors là, je dépose la demande de résidence permanente au bureau des visas canadiens du pays de nationalité de ma douce moitié, si c'est une demande hors du Canada, ou bien ça va être transféré au bureau des visas pour la résidence permanente. Mais moi, comme personne qui envoie ma demande d'immigration, je vais faire un seul envoi au gouvernement fédéral et un seul envoi au gouvernement du Québec. C'est-à-dire que quand je fais ma première demande, dans mon enveloppe, j'inclus la demande comme répondant et ma douce moitié inclut sa demande de résidence permanente. C'est le même gouvernement qui va faire le transfert de mon dossier selon les différentes étapes où est-ce qu'il est. Moi, j'aurai en fait à faire 2 démarches. La première, j'envoie soit à Mississauga ou à Vegreville. Et une fois que j'ai la première approbation du gouvernement fédéral comme répondant, là, je fais une demande de certificat de sélection du Québec à Montréal. Et puis après, la troisième étape de résidence permanente est poursuivie, je dirais, naturellement par le gouvernement fédéral. Il y a une autre disposition de la loi. Je pensais que j'avais une diapositive là-dessus. On peut avoir une relation conjugale. Une relation conjugale, c'est-à-dire, on n'est pas marié. Ça ne fait pas un an qu'on vit ensemble, mais on est quand même un couple.
Mais la raison pour laquelle on ne vit pas ensemble depuis un an, c'est parce qu'il y a des facteurs externes qui nous empêchent d'être ensemble. Le plus commun, c'est par exemple ma douce moitié dans un pays en guerre. Elle, elle aimerait bien sortir. Moi, j'aimerais bien y aller, mais elle est en Afghanistan, elle est au Soudan. Rien à faire. Ou bien, il ou elle est en prison. J'aimerais bien ça qu'on vive ensemble, mais lui ne peut pas sortir, moi je ne peux pas rentrer. Fait que non, on ne peut pas vivre ensemble, mais on s'aime. Notre relation, elle est authentique. Si pour des questions religieuses, pour des questions sociales trop fortes, vous ne pouvez pas être ensemble. Nous, on a un exemple au bureau d'un couple homosexuel qui, dans un pays où est-ce qu'il n'y avait aucune tolérance, surtout dans un contexte familial où il y avait une persécution là, de la part de la famille. C'était vraiment fort. Là. Puis là, ils ne pouvaient pas être ensemble, ils ne pouvaient pas se marier, mais ils ont pu démontrer que leur relation était authentique. Donc, s'il y a des circonstances externes, hors du contrôle, qui empêchent de vivre ensemble, la loi a une disposition pour ça. Mais, par exemple, une raison hors du contrôle, ça ne peut pas être, par exemple, à cause de mon travail, je ne peux pas m'absenter. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de fort. Si, par exemple, pour des questions qui sont très, très, très valides, très légitimes de travail, d'obligation scolaire ou quoi que ce soit, on n'est pas conseillers matrimoniaux. C'est une décision personnelle, mais d'un point de vue strictement d'immigration, il devient beaucoup plus simple de se marier dans un cas comme ça. Donc, si je fais une demande au Canada, en ce moment, la demande de résidence permanente totale dure 14 mois à partir du moment où je dépose la demande. La demande d'approbation du répondant de Vigreville prend environ 6 mois. Petite parenthèse, lorsque je fais une demande au Canada, lorsque Vigreville m'approuve comme répondant, ma douce moitié peut demander un permis de travail ouvert. Et après ça, 8 mois plus tard, je devrais avoir la résidence permanente. Donc, on évalue les temps à 14 mois pour les processus au Canada. Je fais une grosse parenthèse. Les temps, les délais de traitement sont imprévisibles, comme la pluie, plus que la pluie. Si aujourd'hui, ça prend 14 mois, dans 14 mois, j'ai aucune garantie qu'une demande que je dépose aujourd'hui va être acceptée. C'est vraiment approximatif. Maintenant, si c'est une demande hors Canada, ça dépend du pays. La demande d'approbation du répondant de Mississauga prend entre 30 et 60 jours et la demande de résidence permanente à l'étranger dépend de chaque pays. Sur le site web de cic.gc.ca, on affiche les délais de traitement. Dans notre expérience, les délais de traitement dans la catégorie de réunification familiale sont presque toujours beaucoup plus courts que ce qui est indiqué sur Internet. Ça dépasse rarement 11 mois. C'est vraiment une catégorie d'immigration prioritaire. Okay. La question ici, si on se marie puis le lendemain matin, on envoie la demande, est-ce que ça va paraître suspect? Non, parce que la demande ne se limite pas à démontrer l'acte de mariage. Qu'on soit marié ou qu'on soit conjoint de fait, on doit toujours démontrer tous ces éléments-là. On doit toujours démontrer tous ces éléments-là. Donc, l'acte de mariage est un élément légal parmi une mère de preuves qu'on doit présenter pour démontrer que notre relation est authentique. Merci infiniment.